c'est ton événement ponctuel. Et c'est vivant parce qu'au lieu d'emprunter un livre, on emprunte une personne. Et on discute avec cette personne sur une thématique établie. Et pour cette fois-ci, on a fait la bibliothèque vivante sur l'environnement. Ouais. Donc, on avait à peu près 6 livres sur des thèmes différents. Donc, les gens qui étaient intéressés à être lecteurs dans notre bibliothèque vivante constituaient un catalogue avec les descriptifs des différents livres. Puis là, ils choisissaient un livre pour 20 minutes, que ce soit l'agriculture urbaine ou la surconsommation. Il y avait toutes sortes de thèmes variés, liés à l'environnement toujours. C'est maintenant des gens qui travaillent dans le domaine de l'environnement, il y en a certains. Il y en a d'autres, c'est vraiment... Ils ont vu qu'il y avait un manque en quelque part dans leur quartier, puis ils ont décidé de faire... De s'impliquer. Exactement. Et d'échanger, en fait, de partager leur expérience. Moi, déjà, en fait, tout le monde, on est des experts, on a des vécus, des expériences, et on peut les partager. Donc, c'est ça les buts de la bibliothèque vivante. Parce que quand on m'a demandé, j'ai dit, je vais parler de ma relation avec la Terre. On a dit, c'est merveilleux. Mais moi, j'ai pris ce que... Mes ancêtres, mon père, ma mère, puis qui devinent quand j'étais jeune, notre relation, notre contact. Vous êtes restée. Oui. Moi, je ne suis pas autochtone, mais je me sens proche de la terre. Oui. Je vais dans le parc et je m'assois sur les roches. Tout le monde. Je touche aux roches. Oui. J'aime ça aussi être couché, mais regarder, couché en dessous des arbres, là, tu vois juste le dessous. Je l'ai dit dans l'autre groupe, je ne sais pas si je l'ai dit ici, mais dans l'autre groupe, j'ai dit tout le monde aime la terre. On voit dans les parcs, tout le monde, ils sont là. Marie-Laure, ça sera la dernière lectrice. C'est bien. Okay. Bonjour. Et on va clôturer l'événement. Bon, okay. Oui. Voilà, on espère que les gens, bon, tout d'abord, que c'est ça, brise leur routine, prennent le temps d'échanger avec quelqu'un, parce qu'on ne prend pas souvent le temps de juste s'asseoir avec un inconnu puis de parler d'un thème sur lequel on. Tu sais, c'est pas la météo, là, c'est vraiment comme un thème précis que. Souvent, ça prend plusieurs conversations avant d'arriver à ce genre de thématique-là. Puis c'est d'encourager, en fait, les lecteurs à repartir avec une curiosité, d'aller chercher ailleurs aussi l'information. Ouais. Donc, c'est sûr que pour les temps d'emprunt qu'on les donne, c'est pas beaucoup pour certaines thématiques. Mais ils vont avoir ces soucis ou cette curiosité de dire « bon, je vais chercher davantage » ou « je peux même m'impliquer dans mon quartier, je peux trouver exactement. Ça ». Donc, les buts, c'est vraiment qu'on cherche de lecteurs, c'est-à-dire qu'ils sortent avec une nouvelle connaissance, un nouveau savoir. C'est ça.